lost souls, and I know it. Fucking with the whole bus, you won't get. Et yo tout le monde, c'est UnderXL. Et aujourd'hui, on se retrouve encore une fois sur une vidéo qui lag pas mal. Donc, comme pour le Gold Rush, j'ai eu un petit problème de micro et j'ai compris d'où ça venait. Et la prochaine vidéo que j'ai tournée le jour où je suis en train de faire cette vidéo, c'est la même chose. Donc ici, je regardais vite fait parce que je savais plus comment ça se faisait. C'est une map Iron Man sans mode. Sans mode. Je réinsiste encore une fois, sans mode. Parce que vous allez voir ce qui va se passer après. C'est vraiment... comment vous expliquer? Il y a une map Planet Confinery. Cette map, allez, il y avait de nouveaux objets, la propriété de certains objets était changée. En gros, c'est ça qui se passe. Et le nomade, ici, je vous ai montré, il y a un build computer. Ici, je suis en train de prendre les ressources qu'il me faut pour construire comme il faut. Enfin, comme il faut, il m'a fallu quand même pas mal d'essais avant que ça fonctionne. Mais ça, c'est pas grave. De toute façon, ça a quand même fonctionné au bout d'un moment. Ici, encore une fois, il me fallait un stack de 64 de redstone, forcément un stack. Un stack de fer et une étoile du nether. Il fallait jeter les uns à la suite des autres, mais ici, en fait, j'avais un petit problème. C'est que, en fait, quand on prenait les objets à la main, ça buguait. Et quand on retournait dans un coffre, donc ici, il fallait le temps que ça refonctionne. Quand on allait dans un coffre, enfin, c'est ce que j'ai remarqué avec la redstone, c'est que ça allait tout de suite mieux. Et là, j'ai remarqué aussi que... ici, était mal mis le computer, là. Le build computer. Donc je recherchais, j'ai regardé aussi par après, vu que juste après avoir tourné la vidéo, je m'étais mis en game mode créatif. En fait, c'est des propriétés de blocs qu'ils ont changé et c'est complexe à raconter parce que c'est complexe, tout simplement. Bon, là je cherche à diminuer mes lags, vu que le jour où je tourne, mon PC lag assez bien. D'ailleurs, je vais arranger ça juste après avoir fait la vidéo. Comme ça, de toute façon, la vidéo sortira quand même après les examens. À moins que je change d'avis au dernier moment, comme j'ai tendance à faire. Mais ici, non, c'est les examens. Donc le temps que je tourne... Enfin, tourner, c'est déjà fait, mais le temps du montage de la vidéo, de l'upload sur YouTube... y a énormément de choses à faire. En plus, ici, dans 20 minutes, je dois être quelque part. Donc, j'avais fait une petite ellipse le temps que je comprenne. Je viens seulement de voir que j'avais coupé. Là, ça fonctionne toujours pas. N'ayez pas peur, ça devrait bientôt fonctionner. Mais bon, c'est pas grave. Là, vu que ça m'enquiquinait pour rester poli, j'ai regardé, je savais pas comment péter cet ordinateur. Après, je me suis dit, je vais le faire ailleurs. Il a fallu le temps, hein. Je précise, il a fallu le temps que ça fonctionne. Vu que je laguais une fois sur deux. Là, j'aurais essayé de nouveau... un autre endroit. Le computer s'est foutu là derrière. Je sais même pas ce qui s'est passé. Je me suis fait pigeonner plusieurs fois. Comme vous pouvez le remarquer aussi. D'ailleurs, je comprenais pas pourquoi le... j'avais pu le lancer non plus. Et ça, c'est pas grave. Et je comprenais pas pourquoi l'ordinateur se mettait sur le côté. Ça, j'ai toujours pas compris pourquoi non plus. Sûrement du fait que ça laguait ou autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Après, je suis quand même retourné de l'autre côté. Je me suis dit, je vais plus me faire avoir comme la première fois.
Je vais mettre deux blocs. Comme ça, si ça va dans le bloc derrière, bah, j'ai juste à lancer. Et le moment où j'essaie, bah, ça va parfaitement dessus. Et là, je me pète une petite barre. Et je ne sais plus, de nouveau plus lancer. Et j'ai lancé tout d'un coup. Je me suis quand même un peu reculé vu que ça voulait de nouveau pas fonctionner. Et là, j'ai enfin eu la chance que ça fonctionne. Logiquement, c'est à ce moment-là que j'ai la chance que ça fonctionne. Par contre, ce que j'aime bien, c'est il n'y a aucun mode. Et voilà, c'est magique, hein, aucun mode, on a une télé. Franchement, c'est ce qu'il y a à dire. Et là, j'ai vu que la tenue se construisait. J'étais content. Il a fallu le temps aussi que je comprenne comment ça fonctionnait. Donc là, je l'ai sur moi. Après, ça s'est enlevé. Ça s'est remis. Mais j'ai quitté à ce moment-là l'armure. En fait, il fallait rester dedans. Et on partait tranquillement à l'aventure. Bon, après, il a fallu le temps aussi que je comprenne comment. Bon, là, j'ai galéré vu que je voyais plus le bouton. Mais il a fallu le temps que je comprenne comment s'envoler aussi. Donc, en gros, il faut faire la touche drop plus le clic droit. Là, je m'amusais avec ce qu'on avait. Là, je me dis, je vais m'envoler. Je pensais que c'était faire comme en créatif, mais non, il fallait faire touche. Allez. Touche. Bah, de drop plus le clic droit. Donc là, je me suis planté. Je me suis planté. Je m'arrête 2 secondes. Et me revoilà ben, quelques heures après que j'ai terminé l'ellipse. Donc, mon ellipse dans la parole, vu que je ne sais rien faire d'autre pour l'instant. D'après moi, ah oui, là je regardais de nouveau comment pouvoir s'envoler. Donc là c'était le drop clic droit. Il a fallu le temps que je trouve et que je comprenne. Là j'essaie et voilà, je me suis envolé pour la première fois. Donc ça, on guide ça via la flèche en fait. Enfin, avec la souris. Et allez, comment expliquer? C'est avec la souris, quand on va vers le haut, bah, il va aller vers le haut. Quand on va vers le bas, il va aller vers le bas. Quand on veut, enfin, quand on fait tourner à gauche, ça va à gauche, etc., etc., etc. Et là, j'étais parti à leur recherche. Enfin, j'ai un peu volé dans la ville qu'il a construit dans les alentours. Bah, tout simplement, je recherchais après des mobs pour essayer de les bousiller sur place, mais je n'en ai pas trouvé, malheureusement. Mais bon, ça, ce n'est pas le plus important. De toute façon, ce qu'on voulait, c'était simplement voler en ville. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. L'atterrissage se fait avec la touche Shift. Là, et ça laguait à mort, donc j'ai rechargé les chunks, vu que ça a commencé à un peu m'énerver. Bon, je m'excuse encore, mais les lags, ça, je n'en peux rien. Je ne sais pas ce qui se passait pour qu'il y ait autant de lags. D'après moi, c'est du fait que les commandes blocs sont trop sur une petite distance que ça devait faire laguer à mort. Là, j'ai essayé la bombe. Plan foireux, je veux dire. Vu que ça m'a pété en pleine face. Mais ce n'est pas grave. Et là, je regardais. C'était quoi ce que je tiens en main? Apparemment, il y avait une durabilité. J'ai pas vraiment regardé. Le shoot, ça shoot. Comme le nom l'indique, ça shoot. Le punch, j'ai pas su l'essayer malheureusement. Vu qu'il n'y avait pas de mob. Excusez-moi, j'ai l'estomac un peu lourd vu que je reviens de manger. Et j'ai continué mon tour dans la petite ville qu'il a créée. Franchement,
Ben, je dis respect parce que faire ça sans mode, c'est déjà extrêmement difficile. Et là, d'après moi, je suis reparti. Ah non, j'ai continué à faire un petit tour là. Non, ouais, j'ai continué à faire un petit tour vu que la tour était. On est passé juste à côté. Bon, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a vraiment énormément de lag. Enfin, c'est mon PC aujourd'hui, vu que je monte la vidéo le jour même, mais qui sortira quand même après les examens. Il y a énormément de lag, je sais pas ce qui se passe. Ici, ben, j'étais dans le métro. Je voulais voir. J'ai fait ma curiosité. J'ai quand même visité les souterrains de la ville. J'ai essayé de m'envoler, mais s'envoler dans le métro, je sais pas, il veut pas. J'ai essayé, peut-être vous, si vous testerez, vous me direz si vous avez réussi, mais moi je n'ai pas su voler sous le métro. Apparemment, il y a quelque chose qui fait. Ouais, regardez, ici je suis en train d'essayer, mais il voulait pas. Il y a aussi le speed up. D'après moi, je l'ai activé à un moment, mais je sais pas si c'était bon en fait. Mais ça, c'est pas grave. Là, je m'attendais à ce qu'il y ait du mob, donc j'avais déjà sorti. Allez, le canon. Mais pour finir, il n'y a rien eu. Et oui, je vous préviens, la prochaine fois, je le ferai plus en voix off. Après le jeu, vu que, enfin, la prochaine fois, il y aura encore un épisode qui va suivre, que c'est comme ça, vu que je viens seulement de découvrir le problème, c'était un mauvais réglage dans l'enregistreur vidéo. Mais après le prochain épisode, ça devrait aller mieux. Ici, eBay, j'ai continué mon tour malgré les lags et normalement je devrais bientôt me rediriger vers la sortie vers la tour Stark qui se trouve au niveau enfin en face du parc tout simplement. Il n'y avait pas trop loin à aller et heureusement là je sais plus ce que j'étais parti faire. Ah oui, j'ai regardé dans mon inventaire, il y avait l'amo qui voulait pas se mettre. Mais au final, je me suis dit de laisser tomber. Et à vrai dire, quand j'ai quitté justement mon inventaire, ben, j'ai fait un sursaut. Parce que je m'étais fait peur en fait. Tout simplement. Et ici, je devrais. Ah voilà, ici je teste le faster et. Enfin, le moins rapide. D'après moi, là j'étais vraiment plus faster, vu que je courais quand même relativement vite, malgré les lags. Et après, je me suis réenvolé vers la tour Stark, tout simplement. Vu que c'est la tour Stark. Même si ce n'est pas. Pas un mode, c'est extrêmement bien fait comme vous pouvez le voir. Et encore une fois, non, ce n'est pas un mode. Je sais que beaucoup de gens se disent ça doit être un mode, mais non, il n'y a aucun mode qui tourne derrière ça. D'où le nom de la série, enfin la série Map No Mode. Et No Mode, forcément. Prochain épisode, je vais pas vous dire ce que c'est, même s'il est déjà enregistré. Enfin, enregistré à moitié vu qu'il manque mon son. Et je me réenvole tout doucement avec les séries de lag vers Stark Industries. Et là, je me suis dit, ah, je suis arrivé au mauvais endroit, comment je vais faire pour rentrer? Et ma solution fut relativement simple, j'ai pété une vitre. Enfin, j'ai pété une vitre entre les lags. Et je ne suis pas mort.
En effet, il y a eu le petit lag et non, je ne suis pas mort. Je redépose mon armure. Voilà. Armure enlevée. Et normalement ici, je vous montre la redstone qui est juste derrière. Ouais, je vous dis aussi que je vais mettre son Twitter, son YouTube, le lien officiel, enfin tout ce qui va avec forcément. Respect à celui qui a fait ça. C'est un anglais d'ailleurs, ou un américain. Bonne question. En tout cas, il parlait anglais, ça c'est sûr. Et ici, je vous montre enfin, toute la redstone qui se trouve derrière. Et on arrive tout doucement à la fin de la vidéo, vu que j'ai terminé sur mon, enfin, par montrer ça. Comme vous pouvez voir, d'après moi, les lags sont venus de là, vu que tous les command blocks sont quand même dans un espace assez confiné, même s'ils sont sur plusieurs chunks. Bon, sur ce, c'était Under Excel, et je vous laisse pour un prochain épisode. Abonnez-vous et lâchez un pouce bleu, et dites-moi si vous aimez. Allez, salut tout le monde!